Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception de courrier qui me vient de Valérie. Donc, j'ai reçu une grosse enveloppe. Donc, Valérie, ton courrier est arrivé très, très vite. Et donc, voici ce qu'elle m'a envoyé. Donc, un grand courrier avec des tampons. Elle a bien décoré toute son enveloppe. Très sympa. Voilà, très, très sympa. Voilà ce que ça donne. Merci beaucoup, Valérie, pour cet envoi. Elle a mis plusieurs stickers, des tampons, elle a décoré son enveloppe. C'est très sympa. Merci beaucoup. Alors, à l'arrière, et à l'arrière, elle l'a fait également. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, tu vois, ton envoi est arrivé très vite et avec des petites fleurs. En bas, il y avait un papillon. C'était de l'autre côté, ici, qu'elle a colorisé le papillon. Sympa. Merci. Donc, on va ouvrir l'enveloppe. Je vous mets hors caméra le temps d'ouvrir l'enveloppe. Alors, je suis en train de sortir le contenu. Waouh. Elle a très sympa tout ça. Je vais mettre l'enveloppe de côté et je vais vous basculer sur le bureau, enfin sur la table. Voilà, alors regardez ça. Alors voilà. Que c'est joli, regarde-moi le ruban là, il est trop beau ton ruban. Il est super le ruban. Il est avec avec une petite breloque embouée. La ceinture, le ruban là, c'est trop génial. Donc il faut, voilà, elle a mis des flèches et tout, trop sympa. Ouais, trop trop sympa. Bon, je vais défaire ça. Regardez, j'ai enlevé donc la ceinture, le ruban. C'est un ruban comment ça s'appelle déjà? Alors, je perds les mots aussi, c'est pas croyable. Donc là, vous voyez la petite bouée en breloque. Et ici, vous voyez les décos qu'elle a mis donc sur le ruban. C'est trop joli. Bravo Valérie, déjà. Joli ruban, crayon, des règles, des trucs de scrap. Trop sympa le ruban. J'adore. Voilà. J'adore, j'adore. Merci beaucoup. Déjà. Ensuite, donc, elle a marqué. Elle a marqué. Alors, attends. Donc, c'est emballé dans quelque chose de rose, je crois. Je sors les choses de ma trousse magique. Voilà. Ici, mon lecteur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est rose clair. C'est bien ce qui me semblait que c'était du rose. Et il y a marqué Horizon Infini là sur le washi. D'accord. Alors attends, je vais faire comme ça. C'est très sympa la texture de la pochette. J'aime beaucoup. Très très sympa. C'est comme du. C'est quoi comme texture? Je ne sais pas. Donc ici, il est marqué quoi? Horizon infini. Donc je vais mettre là. Voilà. Vous avez vu le washi Horizon infini, là, avec les petits effets couture, c'est très sympa. Et ici, pareil, ici, elle est venue mettre des petites fleurs, des tamponnettes avec Hello. Voilà. Donc l'horizon infini. Donc je vais ouvrir, je vais basculer ce qu'il y a dedans. C'est comme du feutre, je sais pas trop comment que c'est cette matière. Ouais, c'est comme du feutre, hein, c'est. Donc, on défait ça. Oh là là, dis donc, tu m'as fait plein de choses. C'est trop sympa, merci beaucoup. Donc voilà la pochette. Je vais remettre ça comme ça. Voilà. Je vais la mettre sur le côté. Voilà, très sympa, petite pochette. On dirait du daim presque. Ouais, je ne sais pas ce que c'est que cette matière. Tu pourras me dire, Valérie? Tu pourras me l'écrire, s'il te plaît. Donc là, on va découvrir des choses, souvenirs précieux et inoubliables. Oh, bah oui, ça c'est sûr. Avec un beau washi papillon fleuri. Trop sympa.
Happy birthday. Ah, c'est pour mon anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Odile M. Oh, c'est trop beau, regarde. Donc ça, c'est un peu, c'est ouverture anniversaire et défi, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. Donc là, ici, on a... Donc, je vais essayer d'ouvrir dans l'ordre, parce que pour le coup, il y a peut-être un ordre à respecter, je ne sais pas. Mais en tout cas, je découvre des trucs super sympas. Ah, merci Valérie, merci beaucoup. Tu as travaillé pour moi. Ah, des découpes et embellissements. Ben oui, c'est génial. C'est trop sympa le petit trombone là avec les petites gouttes. Oh, j'adore. Et ici, là, tu as mis un coquillage, vacances au top. Ah, cette année, mes vacances sont pas mal finalement. Parce que ben là, on va repartir. On va partir donc en Bretagne et en Mayenne pendant quelques jours là. Donc n'hésitez pas, faites-moi quand même vos envois, il n'y a pas de souci. Quelqu'un me relève le courrier, donc il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à continuer à faire le défi et tous les envois. Et je ne sais pas par où commencer. Il y a une carte par là, je vais ouvrir la carte déjà. Je crois qu'elle est là-dedans, la carte. Donc, je traînaille un peu, on dirait, hein. Voilà, un joli papier de soie. Donc, je vais récupérer. Génial. Tout ça, ce sont des petites choses très sympathiques. Alors, ici, nous avons... Alors, j'essaye que ça ne brille pas trop sur le plan de travail. Alors... Alors, Odile, mon petit mot. C'est trop mignon. Trop mignon, ta petite... Ma participation défi août, c'est ça. Donc il y en a pour l'anniversaire et pour le défi. Je ne vais pas faire de vidéo. Je vais laisser. Est-ce que je fais de vidéo? C'est vrai que j'avais fait ça pour les autres. Donc là, c'est la participation pour le défi, celle-ci. Bon, on va faire le défi et après je ferai la participation anniversaire. Voilà. Waouh! La coccinelle, elle est trop belle! Et puis le chapeau, c'est trop beau ta carte. Hello, les papillons, une fleur comme ça, c'est super sa fleur là. J'adore cette fleur, c'est beau. Et puis là ici, on a donc, je suis déjà dans la découverte de la carte alors que j'ai même pas fait le petit mot. Je suis un peu brouillon là, hein, un petit peu là. Non, mais c'est pas grave après tout, hein, on fait comme on veut. Hein. Il n'y a pas d'ordre, pas de. Donc c'est ça. Donc je vais ouvrir tout doucement et je vais lire ce que tu m'as écrit. Alors, elle m'explique en même temps. Merci, merci, merci beaucoup Valérie. Ton mot me touche énormément. Et merci pour ce que tu m'as écrit. Moi aussi, je vois pas le temps passer parce que comme toi, je m'ennuie pas. Enfin, je m'ennuie rarement, mais en même temps, bah, je trouve que le temps passe vraiment très très vite aujourd'hui. Et voilà ce que m'a écrit Valérie. Donc, merci beaucoup de ton petit mot, je suis très touchée et je te souhaite plein de courage. Et puis, bah, on va découvrir la suite de ton envoi, ma chère. Merci beaucoup. Alors. Ici, donc la carte, donc c'est une. Alors c'est pas une carte, il doit y avoir des choses à l'intérieur. C'est une enveloppe avec des choses, voilà, que l'on va découvrir en même temps. Alors, et je te remercie beaucoup pour ton envoi, vraiment. Voilà, je sais qu'en ce moment c'est pas facile, mais tu vas t'en sortir. Donc ici, nous avons... Oh, c'est des notes de musique. Oh, c'est des notes partition, regarde. Oh, c'est trop beau le papier, j'adore. Des petits papiers comme ça, avec donc les notes de musique. Ici, nous avons... Oh, des jolies fleurs en stickers. Voilà, très sympa, merci beaucoup. Ici, nous avons une autre avec
Des tamponnages, ils sont magnifiques ces tamponnages. Oh, très 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 beau. Ouais. Ah ouais, toi tu connais bien mes goûts maintenant, hein? Génial, génial, génial. Et ici, oh, c'est trop beau. Merci beaucoup Valérie pour tout ça. Ici, donc, nous avons... Ça se tient comme ça, je crois. Comme ceci. Et à l'arrière, ça se présente comme ça. Faut que je regarde bien ce que ça représente. Moi, je vous laisse découvrir, hein, vous voyez mieux que moi ce dont il s'agit. Merci Valérie pour tous ces petits papiers, ces tampons. C'est très sympa, j'adore. Là, ici, c'est un peu vintage fashion. C'est trop beau, voilà, tu vois, maintenant je le vois. Voilà, comme ceci. Des très jolis papiers. Ah, le truc musical, là, c'est trop beau. Ouais. Trop, trop beau. Merci. Donc, ça, c'est une comme une un truc d'enveloppe, une lodie d'enveloppe, un truc comme ça. Il y a encore des choses, regarde. C'est pas dans le même compartiment. Donc, ça, je vais le remettre derrière. C'est très joli le porte-enveloppe comme ça. J'aime bien. Façon enveloppe comme ça. Je ne sais pas plier ces papiers, mais vacances. Donc, c'est vacances. Explorer, découvrir, rencontrer, partager. C'est tout à fait ça, j'adore. Ah, j'adore. Ah, super, super, super. Alors, je vais essayer de découvrir ce qu'il y a. Donc, comme ceci. Donc, ça ne s'enlève pas, ça. Hein, ça ne s'enlève pas. C'est une enveloppe, mais ça ne s'enlève pas. C'est tout collé. Ici, là, il y a quelque chose. C'est plein de surprises là-dedans. Plein, plein de surprises. C'est trop mignon. C'est trop mignon, la petite. Regarde le petit sac. Oh, j'adore. C'est trop sympa. C'est trop mignon. J'aime bien. C'est tout plein de petites choses comme ça, avec un petit scratch. Et là, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Regarde ça. Alors. Il y a plus, il y a une pochette compartimentée. Il y a des petits, une petite tête de chat en bois. Super. Ensuite, derrière, on a... Alors, attends. Il y a même une pochette, hein, dedans. Il y a les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Je recommence. Voilà les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau. Voilà. Je fais tout tomber. Hein, mais... Ils sont trop beaux, les petits poissons. En plus, ils sont colorés et tout. Ils sont mignons. Ah, désolée, hein, je chante, hein, mais voilà, une autre petite tête de chat, trop mimi, donc qu'on pourra customiser. Et en fait, donc dans le petit sac, c'est une petite pochette, et vous avez encore, vous avez deux, ah, mais il y en a encore un, là, regarde, ah ouais, trop bien, regarde, ah ouais, donc là, on a deux, on a un petit paysage ici avec des gens qui travaillent, qui sont près de l'eau. Et qui récupère peut-être la pêche et tout ça, c'est trop sympa, ouais. Trop trop sympa. Et puis là, ici, c'est un papillon, un petit timbre papillon, très joli. Merci. La pochette était toute remplie de tous les bords. Attends, il y en a encore un. Je crois qu'il y en a encore un. Non, cette fois, c'est la pochette. Voilà. Donc en fait, vous avez toutes ces petites pochettes là dedans. Ben dis donc, hein. Quel travail, bravo, hein, bravo. Vous voyez, c'est trop sympa. Ouais. Trop, trop sympa. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Et donc là, je vais remettre dedans. Et trop jolie cette petite image du bord de la mer. J'adore. Voilà, je remets dans les petits compartiments. Ici, je vais remettre la tête de chat. Avec le poisson qui va se faire manger par le chat. Si je vois qu'il n'y a plus de poisson, je saurais que ce sont les chats qui les ont mangés. Hein. Mais des fois, quand on sert du poisson à un chat, il ne mange pas tout le temps. Hein. Ça dépend. Voilà. Très sympa le petit sac. J'adore. Très, très, très sympa. Ouais. Franchement, trop mignon. C'est trop mignon. Donc ça, c'était dans la petite pochette ici en coin.
Donc ça doit être ce qu'on appelle les lodis d'enveloppe, hein, c'est ça. Parce qu'ici, ça doit s'enlever quand même. C'est pas collé. Alors, ben oui, il faut tirer dessus, tout simplement. Ouais, c'est pas mal, hein, ce système d'enveloppe comme ça, j'aime bien. Franchement, c'est trop sympa. Ouais, c'est ça, la lodi d'enveloppe. Une des lodi d'enveloppe. C'est trop sympa, j'aimerais bien apprendre à faire. En plus, il y a des belles tongs ici, là. La vacance, elle est super, l'écriture. Hein. J'adore ces écritures comme ça. Là, les petites tongs. Là, elle a maté la dentelle. Avec, je pense qu'elle a coloré en bleu pour aller avec le fond. Il est magnifique, ce papier. Hein. Vraiment, c'était une très belle collection que j'adore chez Action, celui-là. Ouais. Et puis ici, on a le papillon, la dentelle. Voilà, matérialiser la dentelle pour faire les pochettes. Et là, vous avez un embellissement avec une jolie fleur. Voilà. C'est très sympa, j'aime beaucoup ce modèle de pochette. Donc, ici, on a une carte. Ah, c'est une carte chevalet, ça. Oh, c'est chouette. Oh, c'est super. Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est une carte pop-up. Carte chevalet pop-up, regardez. Comme elle est magnifique. Elle est belle, hein. Oh là là, elle est trop belle, ta carte. J'adore. Donc ça, c'était la carte pour le défi. Donc, elle est magnifique, ta carte. Franchement, elle est trop belle. Elle est superbe. Là, t'as Hello, la glace, les petits... Elle a fait des petites gouttes de perles ici. Ou alors, c'était tout près, j'en sais rien. Non, mais je pense que c'était... c'est toi qui les as fait. Et là, oh, c'est trop mignon, les petits trucs avec les cœurs comme ça. Tu peux ouvrir les cœurs et marquer des petites choses à l'intérieur. Oh, c'est mignon, ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire à savoir faire ça. C'est un die, ça, Valérie, ou c'est toi qui l'as fait? Je regardais si des fois, il y aurait marqué quelque chose dedans. Mais il n'y a rien. Mais c'est sympa pour mettre quelque chose à l'intérieur, je trouve. Trop jolie, la fleur. Hein. Trop, trop jolie. Ouais. Merci. La coccinelle est magnifique. Là, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Dans ce sens-là. Ici, vous avez les fleurs avec les cœurs. C'est trop joli. Hein. C'est très, très beau. Là, le chapeau, comme j'adore. Et ils sont beaux. Hein. C'est le petit papillon vol. Vol, vol. La glace. La glace, elle est tombée. Non, elle est là, debout. Elle se promène en l'air. Mais tout est matérialisé. C'est très, très, très joli. Ouais. Donc, en fait, ça s'ouvre comme ça. Et c'était non pas comme ça, comme j'avais mis. C'était plutôt comme ça. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que tu m'as mis? Il y a plein de choses. Ici, on a une petite fée magique. Des moments... Moment découverte, très sympa. La guitare, elle est trop belle. Ah, j'adore la fleur là. Estivale, tropique, fête. Ah, c'est trop beau ta page là. Elle est magnifique ta carte. Vraiment très très super. Elle est trop belle. T'as super bien travaillé Valérie. Merci beaucoup. Après ici, elle a mis. Donc elle a fait comme un petit rabat ici. Voilà. Et là, elle est venue mettre une petite estrade. Sur laquelle elle a mis, là ici, c'est une fleur. Elle est très très belle la fleur, regardez. Très très belle la fleur, magnifique. Donc, et là, il y a une petite niche. On peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, voilà. Ici, ça c'est une fleur. C'est très très joli. Hein. Et là, c'est également une fleur. Et à l'intérieur, elle est venue mettre un cœur. Voilà, c'est très joli. Très très jolie, j'adore. Elle est belle cette carte. Là ici, nous voilà avec le parasol. On va en profiter encore un peu. La coccinelle, qui ici c'est grisou. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Mais voilà. Et ici, en tout cas, ta carte est très fraîche, très j'adore. Le fond et tout ça, les fleurs sont superbes. Et vraiment, cette collection est magnifique. Et ta carte, elle est sublime, quoi. Franchement, elle est sublime, ta carte. Et derrière, elle est venue mater une fleur comme ça. Très, très beau. Donc, c'est dans les tons rose, je crois. Je vais regarder encore, mais il me semble que c'est ça. Orange. C'est orange, voilà. Il dit que c'est orange. C'est super joli. Moi, j'adore la couleur orange aussi. Hein. J'aime bien. J'aime beaucoup plein de couleurs. Elle est très belle, ta carte. J'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Et donc, Valérie, tu seras la numéro 10. Voilà, la numéro 10 pour Valérie.
Alors, on va encore découvrir des choses. Ici, il y a des choses. Là, c'est l'enveloppe. Donc, je vais la mettre ici. Allez, c'est trop beau, hein, ce que tu as fait. C'est vraiment super, superbe. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Aïe, je me suis pris le doigt là-dedans. Je l'ai mis là, la carte. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer à ouvrir. Donc, ça, c'était. Ça, je vais le remettre là. C'était le petit sac qui allait là. Voilà. Donc, je vais mettre le lecteur là. Il faut que je procède par ordre, hein, parce que sinon. Donc, ensuite. Alors, j'avoue, je ne sais pas par quoi commencer. Tellement c'est trop sympa. Toutes ces jolies choses et tout. Hein, c'est vraiment très, très sympa. Alors. Donc ça, c'est pour l'anniversaire, on a dit. Donc ici, nous avons deux pochettes. Donc ça, c'est pour la création. Et ça, c'est aussi. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, oh, que c'est chouette. Regarde-moi cette jolie pochette, comme elle est bien faite, avec des jolis embellissements, un joli coquillage. Qu'elle a maté ici, voilà le fond. Voilà le fond. On la voit? Ah non, on voit plus. Ah, c'est l'autre côté, ça s'est tourné. Alors, désolé, il y a eu un petit. C'est pas grave. Donc ici, nous avons. Le petit chapeau, enfin, on pourrait dire que c'est un chapeau avec un coquillage, pourquoi pas après tout. Elle est venue mettre dans cette pochette, elle a mis ça, donc un petit cadre que je vais découvrir avec vous. C'est trop beau, très 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 joli. Tu m'avais déjà fait, il me semble, un petit cadre comme ça. J'avais beaucoup aimé, il me semble que c'est toi qui m'avais fait un petit cadre sur le bord de la mer aussi. Je vais avoir une petite collection de Valérie chez moi. Trop sympa. Voilà, donc elle est venue mettre en plus avec un washi. Elle est venue fermer avec un washi encre. Il est trop beau le washi. Très sympa. Ouais, franchement très sympa. Et je vais découvrir ça. Donc. Alors, je vais découvrir ça par le bas. Je voulais récupérer un peu le washi. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être en décollant ici. Celui-là. Ah, c'est là le début. Voilà, il fallait que je trouve le début. Ouais, en plus, sur le plastique, comme ça, on peut bien récupérer le ruban. Merci. Hop, j'essaie de pas trop mettre mes doigts pour pas trop enlever la colle. Trop sympa. Ouais. Après, c'est qu'il va falloir le recoller quelque part le washi. Alors, je vais doucement mais sûrement. Regarde, je vais le coller là sur le. Ici. Sur le tapis, puisqu'il a un morceau de plastique. Comme ça. Voilà. Je l'ai mis là. Alors, je prends le temps, hein, de découvrir les choses. Voilà la petite poche. Oh, que c'est joli. C'est trop mignon. Donc derrière. Elle avait mis ça pour pas que ça pour protéger en fait. Voilà. Donc ça a été fait le 21 août 2022. Trop sympa, petite aquarelle. Et donc c'est son beau-père qui fait des tableaux d'aquarelle. Et donc Valérie en fait un peu aussi. C'est trop joli, Valérie. Merci beaucoup. Très sympa ces petits tableaux. J'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime bien. C'est bien, c'est beau. Et en plus, avec le petit chevalet, comme ça, j'adore. J'adore. Ouais, trop sympa pour faire de la déco. Merci Valérie. Merci beaucoup. C'est trop joli. Donc c'est bien toi qui l'as fait celui-là.
Ouais, trop trop joli, d'inspiration bretonne. On va le mettre ici, voilà, à côté de la jolie carte. On va essayer de mettre devant comme ça. Voilà. Donc ça, je mets de côté, je vais mettre le plastique un peu plus loin. Je prends un peu le temps, hein. Voilà, donc ici, la jolie pochette. Voilà. Et ici, donc, nous avons une autre pochette comme ceci, avec, voilà, des embellissements et des découpes. Donc, ben, on va découvrir tout ça ensemble. Voilà, super. Là, ça colle un peu. Je mets tout ça comme ça. Comme ça vient. Ah, génial, génial. J'adore ces choses découpées, tout ça. C'est vraiment. C'est trop beau. Trop sympa. Ouais. Bon, je vais descendre tout ça. Ça colle un peu sur les côtés. Voilà. Ici, on a une petite pancarte. Ah. Merci Valérie pour tout ça. Je vais recoller les deux côtés comme ceci. Ça, c'est bien, vous voyez, pour faire une petite pochette toute simple. Vous n'avez pas besoin de prendre grand-chose. Un scotch double face ici, un autre là à l'intérieur. Et vous, c'est une feuille pliée en deux. Hein, c'est vraiment très sympa. Ici, elle est venue mettre un petit coquillage suspendu comme ça. C'est trop sympa. Juste comme ça. C'est très très bien, très joli. Pas si tu les as ramassés ou pas, mais voilà, en tout cas, donc les vacances au top, ouais, c'est clair, avec le fond, avec le homard, j'adore les homards, les manger, les regarder aussi, mais les manger aussi, mais on n'en mange pas tout le temps, c'est tellement cher, sinon il faut aller en Bretagne pour manger le homard, voilà, je vais peut-être, on verra si on en fait un, on verra, des fois avec les restaurants bretons, on trouve des homards dans les menus, donc à voir. Ça fera un petit peu le. Et puis bientôt, il y a l'anniversaire de mon chéri, le 13. Donc, ça va nous faire un nouveau petit resto. Voilà, en même temps, je montre ceci de Valérie qui a fait très joli embellissement. C'est très, très joli ces fleurs. Là, j'aime beaucoup. Donc, elle est venue. On peut coller la fleur comme ça. C'est vraiment très sympa. Voilà. J'adore. C'est vraiment joli. Elle m'en a fait une deuxième ici, très très jolie aussi. Donc ça se met comme ceci sur l'avant. Est-ce que ça c'est avec? Non, ça c'est un en plus. Oh, elle est belle la fleur. Elle est très jolie, c'est très joli de faire ça. Donc je pense qu'on part d'un accordéon du pliage. On prend comme une feuille rectangulaire, on fait un petit accordéon. Et ensuite après on déplie. C'est ça? Faudrait que j'apprenne à faire ça. Je sais pas s'il y a un tuto ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien savoir faire ça. Ça ne doit pas être très très compliqué, je pense. Il faut que je cherche. Non. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, hein, franchement. Oh, les petits chats, des petites perforations, petits chats, trop mignons. Miaou. Ici, on avait une autre fleur. Là, je découvre en même temps. Trop sympa. Voilà, ici des petits chats. J'ai l'impression de traîner un peu, mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée. Voilà, je ne dors pas très bien la nuit en ce moment. Je ne sais pas vous, mais peut-être parce qu'il y a des nouvelles lunes, j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est pas top quoi. Miaou, miaou. Et mon miaou, moi, il est dehors. Alors, ah ben voilà, regarde, la suite des petits poissons. Les petits poissons. Odile, arrête. Ici, nous avons les négatifs. Donc, ce sont les négatifs en fait des découpes. Donc, ça, c'est les fleurs. Mais moi, je m'en sers de ces négatifs-là parce que ça fait des pochoirs très intéressants. Et une fois que c'est fini, ben, vous les jetez et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Ici, il y a une sorte de petite pochette avec toutes les petites découpes des poissons et tout ça dedans. Merci beaucoup. C'est sympa de faire avec. Des petites pochettes plastiques comme ça, c'est bien. Et en plus, ça fait pas de bruit. Et c'est comment. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis, elle a tout fermé par un joli washi. Ça fait des petites pochettes très sympathiques. Ouais, merci. Voilà, donc ici, vous voyez, en scrap, hein, tout se garde, tout peut servir. C'est ça que j'adore en scrap. Voilà. Alors ensuite, on a donc des petites feuilles comme ça, le pochoir petite feuille.
Voilà, j'aime bien. Ensuite, alors attends, il est parti où? Là. Donc, on les voit bien, hein? Vous les voyez bien? Je vous entends pas. Je les mets au fur et à mesure, là, on en a un deuxième. Donc, toutes les découpes, en fait, elle est venue, la fleur, là. Est jolie, la fleur, hein? J'aime bien ces fleurs. Ouais. Tous ces feuillages, tout ça, c'est trop bien. Vous pouvez utiliser l'encre, la colorisation, vous le détourez avec un crayon de papier ou un feutre noir, hein, pourquoi pas. Là, ici, on a à nouveau les fleurs. Voilà. Donc, ça peut être sympa, vraiment, en modèle. Donc ça, c'était la petite pochette avec les petits poissons dans l'eau. Voilà. Ici, on a à nouveau une pochette avec... avec les petits chats à l'intérieur. Regardez. Les petits chats de tout à l'heure. Voilà. Les petits minous. Trop sympa. Merci. Petite perfo. Ici, nous avons encore une pochette avec une magnifique, des magnifiques découpes de fleurs à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Des superpositions de fleurs comme ça. Elle est magnifique, la fleur, vraiment. C'est trop joli, ça, c'est beau. Ah, j'adore. On superpose comme ça. Ah, c'est sympa, ouais. Ouais. Ah, c'est trop sympa, regardez. Donc, une comme ça. Elles sont trop jolies, les fleurs. Ah, ouais. En différentes couleurs, franchement, elles sont trop belles. Ouais. Merci pour tout ça. Hein. Merci, merci. C'est du travail. Hein. Merci beaucoup. Et là, une superposition, j'adore. C'est beau. Vous voyez, c'est du papier, mais qu'est-ce que c'est joli. Moi, j'adore faire des trucs comme ça, c'est sympa. Ouais. Trop sympa. J'aime bien la marguerite. Je sais pas ce que c'est, pas une marguerite, c'est une autre fleur, mais je sais pas ce que c'est. C'est très sympa, les petites pétales détourées comme ça. Elle est très sympa, c'est un die, je pense. Donc, c'était vraiment sympa. Merci, Valérie. Ah, tu m'as fait super plaisir encore. Hein. Donc, pareil, elle est venue... faire des petites pochettes avec une pochette plastique. Vous voyez, c'est génial. Et puis, vous fermez en haut avec les washi sur les côtés. Tout ça, c'est trop sympa. Trop, trop sympa. Ici, vous avez une petite pancarte en bois. Très sympathique. Donc, en plus, elle est autocollante. Il y a marqué, je sais pas quoi, What's make 900 happy. You happy. 900. N'importe quoi. Voilà, petite pancarte en bois qui peut servir d'embellissement sur une créa. Trop sympa. Merci beaucoup, hein. Vraiment merci, merci. Ça sont des papillons très jolis aussi. Regardez, des papillons comme ça, très sympathiques en bois, qui sont déjà embellis, sont trop jolis, très sympa. Et ici, vous en avez encore une autre sorte. Ah ouais, ils sont beaux les papillons. Je me lasse pas des papillons, je m'en lasse pas. Et ça, même si j'aime bien faire autre chose aussi, voilà, c'est trop sympa. Merci. Excusez-moi, j'ai baillé. Voilà, c'est des choses qui arrivent et des choses naturelles. Voilà. Ensuite, une très jolie coccinelle. Regardez, des petites découpes comme ça. J'espère que je vous ennuie pas. Mais moi, je trouve ça sympa de pouvoir montrer et partager aussi tout ça. Ça, c'est never, jamais. Ça, c'est allez-y, c'est par là. Allez-y, c'est par là. Voilà, c'est parti. Voilà. Ensuite, on a... Est-ce que j'en ai encore ici? J'ai des mini-fleurs, donc elle avait mis donc le négatif des mini-fleurs. Voilà, pas que j'aille trop sur le côté. Et ici, elle m'a mis un trombone altéré avec, donc, on peut dire comme ça. Hop. Voilà. En fait, elle l'a fait passer à l'intérieur. Moi, je l'ai défait, mais je vais le remettre. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou pas, je pense pas. Ah, peut-être ici.
Faudra que je le remette comme ça. Ben, j'ai l'impression que c'est comme ça. Bon, de toute façon, je vais le mettre là. Petite jolie étiquette très sympathique. Voilà, comme ça. Et donc là, elle a mis ce que c'était sur la pochette. Très sympa. Des petites choses très très sympathiques. Merci beaucoup Valérie, c'est très mignon de ta part et c'est très gentil. Et quand je dis avec les anniversaires, tout ça, il n'y a pas de retard. Et en plus, hein, tu avais même numéro d'ex, en plus tu m'as dit. Il n'y a pas de retard avec le cœur, avec l'amour, tout ça. L'amitié, il n'y a pas de retard, quoi. Voilà. On a jusqu'à l'année prochaine pour le fêter, remarque. Sympa, non? Voilà. Donc, c'est vraiment très mignon, tout ça. Et donc, on va ouvrir la carte enveloppe d'anniversaire. Donc, voici la People's Day. Voilà, oh, l'accent. De Odile M. Merci beaucoup. Ici, donc, c'est fermé par un joli washi papillon et fleurs. Voilà. Et donc, souvenir précieux, inoubliable. Très sympa, cette jolie enveloppe. Très, très, très sympa. Merci beaucoup. Elle est venue donc ici mettre deux washi. Trop sympa. Là, ils sont très, très beaux, ces washi aussi. Là, ici, il y a une petite coupe de champagne. Voilà. Pour l'anniversaire. On trinque ensemble. Pas de souci. Où est-ce qu'il est, mon doigt? Où es-tu, mon doigt? Vous voyez, je ne vois pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ici, vous avez les petites coupes de champagne, un joli cœur, le O, les M. C'est bien ça, les lettres comme ça, en feutrine, avec les découpes des dies. C'est très sympa. Et après, ici, le joli papillon que l'on connaît bien. Et la fleur rouge, là, c'est très joli. Très, très sympa. Et ici, une petite glace. Petite glace. Voilà. Très, très sympa. Alors, on ouvre. Et dedans, il y a plein de choses. Regardez, plein de choses. Sympa. Sympa. Très mignon, tout ça. Alors, ici, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, que c'est joli. C'est de Fabrica Décoru. Ah, ça, c'est chouette, hein. Ce sont des embellissements... Ah ouais, avec une bouée ici derrière. Ah, c'est sympa. Ah ouais. Ah, c'est sympa. Regarde. Avec, elle a mis un badge. Oh, c'est mignon. Des petites choses comme ça d'embellissement ici avec le cactus. Là, c'est un badge avec des mouettes. Oh, c'est trop beau. Merci. Merci Valérie. Et la bouée ici, très jolie aussi. Très très jolie bouée. Ouais, très très jolie. Très sympa. Voilà. Bon, je vais le remettre juste pour protéger dans son petit emballage. Merci Valérie pour ces petits présents. Ça me fait plaisir. Ah, j'ai vraiment de quoi faire la marine, hein, cette année. Donc c'est vraiment très sympa de votre part et vous m'avez gâté et ça me fait très plaisir aussi. Et comme j'ai dit, voilà, l'amitié, c'est ça aussi, c'est le partage, c'est voilà de. Alors pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à venir partager, à venir participer au défi donc qui est encore en cours jusqu'à fin septembre. Donc vous pouvez vous envoyer une carte 15-15. Donc ça, c'est un petit peu l'exigence que je voulais. C'était pour que les cartes soient toutes dans le même format. Bon, je ne vais pas réussir à ranger dans la pochette, c'est pas grave. Je crois que ça colle, en fait. Et puis, du coup, tant pis, je ne vais pas le remettre dedans. On va le remettre dans l'enveloppe comme ça. Et ensuite, vous faites une création de votre choix. Vous faites comme vous voulez. Et donc, du coup... vous avez jusqu'au 30 septembre pour le faire. Donc, n'hésitez pas à participer si le cœur vous en dit. Voilà, ici, c'est très sympa. Donc, c'est une ATC avec pour titre les fleurs.
Les fleurs et feuilles, artiste. Donc c'est Valérie. Valérie date du 3 août 2022. Elle a été réalisée par Valérie le 3 août 2022. Très joli ATC avec des petites perles ici. Je pense que c'est toi qui les fais, les petites perles. Elles sont très jolies, hein. Et donc, je ne sais pas si c'est avec la marque Nouveau. Apparemment, les embouts nouveaux sont plus petits que ceux d'Action. Et voilà, donc c'est vraiment très sympa. Les jolies fleurs ici, elle est venue mettre à chaque fois une petite perle. Ça, c'est des petites perles collées. Mais celle-là aussi, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est toi qui les fais. En tout cas, elles sont très bien faites. Mais peut-être c'est que c'est toi qui les as collées. Peu importe. Très joli ATC qui va rejoindre les copains et les copines. Ici, elle a mis des embellissements. Donc, ça se met comme ça. Alors, ça s'ouvre comme ça, apparemment. Alors, attends. Donc, ça. Ah, c'est chouette. C'est des. Et ça s'ouvre là. Oh, ça s'ouvre là. Donc je vais en prendre. Je vais pas tous les prendre. Je vais en prendre pour vous montrer. Oh, j'adore, c'est des volutes. C'est trop joli. Ah, oh, j'aime bien les volutes comme ça. C'est très sympa. Ah oh, oui. Très très sympa. Regardez. On monte sur une feuille contrastée. Très jolie. Ah, oh, j'aime bien. J'aime bien ça. Donc il y en a plusieurs, c'est trop sympa, merci. Il y en a plusieurs. On peut le remettre comme ça et comme ça. Ça, j'aurai l'occasion de le ranger dans une boîte. Donc là, elle a mis chaque fois des petits washi trop mignons, trop sympa. Ouais, trop sympa, hein. C'est vraiment sympa les washi. Moi, j'adore les washi de toute façon. Donc après. Il y en a qui collent plus ou moins, c'est vrai. Mais je les trouve sympa. Voilà. Ensuite, on a à nouveau une petite pochette. Avec quoi à l'intérieur? Alors, on défait ça comment? Comme ceci, avec un petit nœud. Donc, on va défaire le petit nœud tranquille. Voilà. C'est mignon ces petites pochettes hein, pour offrir et tout, c'est très sympa. Avec le petit nœud tenu ici par la fleur, un washi qui est là, les washi fleurs, très sympathique. Avec des papillons, ils sont jolis. Hein. Et puis donc, on va ouvrir. Alors, pour le coup, ça s'ouvre pas, la ficelle, il n'y a pas besoin de l'enlever. Ben, on va défaire par ici. J'essaye de trouver l'endroit pour ouvrir. Bon, vous savez quoi? Je vais faire un petit coin avec le cutter. Pardon pour le bruit. On va sortir juste la petite lame comme ça. Hop. Ouais, en fait, c'est là. Je vais découper le. Je vais enlever le washi tranquillement pour le récupérer si je peux. Pourquoi pas? C'est ça, c'est ici que ça se passe. Très sympa. Petit bout de washi, hein, c'est parfois c'est bien de récupérer. On peut pas, hein, mais des fois moi j'aime bien récupérer. Et je vais faire comme son homologue tout à l'heure. Je vais le mettre sur ma planche ici. Comme ça, je pourrai le réutiliser. Donc on a réussi à ouvrir la petite enveloppe. Donc la petite pochette. Alors. Est-ce que ça s'ouvre ici? C'est pas là? Si, pourtant. Là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle m'a mis à l'intérieur? Oh! Oh là là! C'est collé dedans. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire l'autre côté également. Donc, on va essayer de découvrir comme ça. Je vais le décoller tranquillement.
Très sympa. J'ai essayé d'ouvrir l'enveloppe comme il faut. En fait, j'étais obligée de la découper sur un côté. C'est pas grave. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Un très joli bijou. Très joli bijou qu'elle a fait. Donc, qu'elle est venue coller avec le joli washi. Ici, c'est pas étonnant que je n'arrivais pas à le défaire. En plus, le washi, je peux vous dire qu'il colle super bien. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais le washi colle très très bien. Donc, on peut même le décoller comme ça. Ça colle super bien. Donc, elle est venue avec une ficelle donc de jute. En même temps, voilà, je fais attention à le décoller. Et je vais enlever ici. Ça collait super bien, Valérie. Ah, franchement, trop bien. Ah, dis donc, les washi, là, ils sont de bonne qualité, hein, parce qu'ils collent très, très bien. Alors ici, ouais, c'est super joli, ton petit bijou, là. Ah oui, ton petit bijou, il est trop joli, regarde. Ça, c'est bien. Moi, je me sers des choses comme ça pour mettre sur mes objets, pour notamment les fermetures éclair, tout ça. Ça me donne envie de mettre ça sur une jolie fermeture pour aider à l'ouverture ou à la fermeture. Donc c'est très sympa, une bonne prise en main. Ah ouais, attention de ne pas aller trop fort. Voilà. Donc, je sais pas, je pense que c'est solide quand même. Tu penses que ça sera assez solide? Je pense. Hein. Donc voilà, très joli bijou que l'on peut mettre sur un album, une carte, où on veut en fait, à une fermeture éclair, pourquoi pas. Et puis à voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, en déco, c'est très sympa. Merci beaucoup, beaucoup Valérie de tous ces présents. Je pense que j'ai tout ouvert. J'essaye de bien voir autour de moi si je n'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Et donc, vraiment très sympa. Très, très sympa. J'ai adoré ce que tu m'as envoyé, comme beaucoup de personnes à qui j'ouvre les cadeaux, enfin les cadeaux, les présents que vous m'offrez, c'est vraiment super sympa, vraiment super sympa. Voyez, donc là, on voit tous les petits présents ici. Est-ce qu'on voit mon doigt? Ouais. Donc tout est là. Bravo Valérie pour tout ce que tu as fait. Vraiment, c'est superbe. Et bravo pour avoir fait tout ça. Je te remercie énormément pour tout ce que tu m'as offert. Et puis, je vous fais plein, plein, plein de zombie scrap. Du coup, je refais cette vidéo et en même temps le défi et en même temps l'anniversaire. Et du coup, merci beaucoup encore Valérie de ton envoi. Tu es donc la participante numéro 10. N'hésitez pas à participer si le cœur vous en dit. Et puis, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai vu que la chaîne remontait un peu. C'est cool, c'est super. Je vous remercie énormément. Et puis, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit, hein, c'est au travers de moi, mais c'est grâce à vous que ça vit. Et en même temps, ben, que j'espère que vous portez bien, que tout va bien, que votre rentrée va bien se passer, notamment pour les jeunes. Et puis, parce qu'avec tout ce qu'on nous annonce, voilà, c'est pas top top, hein, l'actualité. On va essayer de pas trop trop y penser, mais on est quand même dans cette réalité-là. Donc voilà, on ne peut pas faire semblant non plus. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux défis qui nous attendent. Voilà, donc je vous embrasse. Valérie, merci encore. Et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo ainsi que toutes les autres. Et pour ne rien rater de tous ces envois. Et ça fait toujours du bien aux personnes qui reçoivent les commentaires. Il y a moi, mais il y a aussi tous ceux qui œuvrent pour le bien de cette chaîne. Merci beaucoup. À très très bientôt. Bye bye. Zoubi Scrap. À bientôt, Scrapinette Valérie. Bye bye. Je sais que t'aimes bien qu'on t'appelle comme ça. J'aime bien. Zoubi Scrapinette. Allez, c'était la Zoubi Scrapinette Odile. Allez, plein de Zoubi Scrap. Je traîne un peu, hein, mais bye bye. Portez-vous bien.